notre lumière, hein, ça remonte à 2005 maintenant. Ouais, et c'est tellement... 14. Ouais, bon, bah voilà. Là, j'ai pris un coup de vieux. J'approche des 60, là, je suis pas très loin. Ouais. C'est bien, après 60. C'est vrai, c'est bien. C'est génial. Encore un an, je suis en retraite. Bon. Oui. C'est pas le micro, on n'est pas venu pour toi, pour parler de moi, de toi, hein, mais de ta voiture. Ah, bah, parce que je crois que c'est la première fois que je présente aux états une 104. Une 104, c'est vrai qu'on n'en voit plus beaucoup, ils ont tout dévoré par la rouille. Ouais. Ou alors, les primes à la casse aussi. Les primes à la casse. Oh ouais, ça c'est vrai, c'est dommage d'ailleurs. Hein. Surtout que tu as une version, toi, assez rare, une version à empattement court, dit coupé à l'époque. Oui, c'est la version Z. Alors, comme Zorro. Alors j'imagine que tu sais pas pourquoi. Eh ben, tu m'apprends quelque chose, peut-être, parce que... Je t'ai amené la publicité d'époque. Ah, alors, on va pas faire voir aux gens, on va leur demander aux gens. Alors pourquoi cette version courte, hein, appelée coupée, je pense que c'est marqué dessus. C'est quoi, c'est marqué? C'est marqué Z. C'est marqué Z. Alors pourquoi ça s'appelait Z, la version courte? Est-ce que quelqu'un dans le public le sait? Ça m'étonnerait, hein. Moi j'ai la réponse là. Alors pourquoi ce petit coupé 104 s'appelait Z? Ça n'a rien à voir avec Zorro, hein. Personne ne sait? Non? Non plus? Pourquoi ce petit coupé s'appelait Z? 104, Z. Zoé, non. Zoé, c'est autre chose, hein, c'est... Zagato, non. Zagato, non. Non, non, Zagato n'a pas dessiné le... Ça aurait pu être ça, hein. Zagato, misé plus long, hein. Pas du tout. Ah, je dois dire, non. Le vêtement, pourquoi le vêtement? Le profil en Z? Non. Alors une Ami 6, je veux bien, les premières Ami 6 avaient une ligne en Z. Là, je vois pas de ligne en Z. Alors, je crois pas que vous allez trouver, je vais vous donner la réponse. Regardez, plus rapide qu'un zèbre. Il fallait trouver ça. Eh ben moi je savais pas, pourtant je m'y connais en automobile un petit peu quand même. Eh ben je savais pas. Alors plus rapide qu'un zèbre, 138 km/h. Après il faut s'accrocher aux portières, hein. Ça vibre. Et 138 km/h, à l'époque c'est fantastique, hein. 104Z Peugeot, 27 000 francs, l'instinct de l'économie. Avec cette voiture-là, vous irez vite, si on peut appeler ça vite, mais vous ferez des économies. Voilà, c'est ça que ça veut dire, hein. Alors le zèbre, je sais pas, ce que le zèbre, il court vite, il est économe, le zèbre. Il court vite, mais sûrement pas 138. Voilà. Elle n'a pas 138, ta voiture? Ah, mais t'as pas eu la voiture, là, elle y va, mais le zèbre, non. Alors, on remarque sur la photo que les premières avaient des phares. Tout à fait. Voilà. Donc, tu sais, j'en possède une dans mon jardin. Oui, je sais. En train de pourrir. En quatre portes, je crois, non? En quatre portes. Et non pas, justement, en cinq portes. Parce que les premières, voilà. Il faut rappeler quand même que la 104 a été présentée en quelle année? Oh là là, non. Ah, c'est vraiment sur les plus jeunes sur les Citroën, hein. Non, c'est beaucoup plus vieux que ça. 77. Oh là. Allez, 73. J'ai pas de mémoire, hein. Non, 73. Ah, on approche. Qui va trouver là? 73, 70, vous êtes prêche? Ouais, 72. Gagné, adjugé. J'ai gagné la voiture. Non, c'est une Peugeot. Elle a été présentée en 72 en même temps qu'une autre voiture devenue célèbre. La Renault 5. Vous vous rappelez la Renault 5? 60. Oui, elles étaient concurrentes à l'époque. Et il y avait un pacte à l'époque, parce que Peugeot présentait une berline 4 portes avec un coffre, et Renault présentait une berline 3 portes. Elles n'étaient pas concurrentes, parce qu'une avait 4 portes, et l'autre, c'était un accord. Et Peugeot a Mais Peugeot a quand même sorti une 3 portes en version coupée, quand même. Et pourquoi il appelle le Z? Mais je viens de le dire, t'as pas écouté. Non, parce que Jules, ça me c'est le père de la type. D'accord. Aucune référence à Citroën. Donc, alors, ah bah, le zèbre, bah oui. En 72, on présente la 104 en 4 portes, hein, comme celle que je possède chez moi, avec un petit coffre à l'arrière, et après on mettra un haillon. Voilà, comme la version. Alors, la version coupée, elle est sortie en même temps ou plus tard? Tu te rappelles pas? Elle est sortie un peu plus tard, mais je ne saurais pas te donner quelle... Il me semble que c'est 2 ans plus tard. 74, si je me rappelle bien. La pub, je ne sais pas de quand elle date.
pourra regarder. Et donc, Peugeot va détourner en fait son accord avec Renault et va sortir lui aussi une version 3 portes, comme la Renault 5, et avec un empattement plus court. C'est-à-dire qu'on prend la 104 et on réduit son empattement de je sais pas combien, de beaucoup hein, quand même. De beaucoup, oui. Hein, parce que... Je crois que c'est 50 centimètres. Donc ça fait vraiment court. Et chez Talbot, plus tard, on va prendre à faire la même chose, mais on va en enlever moins. C'est vrai. Parce que la Samba fait 20 cm de plus que la 104. La fameuse Samba est une héritière de la 104. Et même la Hélène, Elena, vous vous rappelez, Hélène, Elena, c'est pareil, c'est issu de la 104. Même si le moteur, lui, c'était un bicylindre typiquement Citroën. Ouais, donc la 104 a eu pas mal de dérivés comme ça, de descendance. Ah, donc la tienne, elle date de quand ? Allez. Celle-ci date de 81. 81. Voilà. Donc une deuxième série. Série 2. Je veux dire, avec des phares à l'avant un peu plus larges. Un peu plus larges, des pare-chocs. Des arrière un peu plus larges également. Des pare-chocs en plastique, hein, les premières versions. En tôle peinte. En tôle peinte ? Oui. Je crois que c'était du plastique, moi. Non, non. Ah, je me suis fait avoir. Et je crois que les gens sont fait avoir. Eh bien, c'est pas du plastique, je pensais. C'est de la tôle peinte. Regardez, c'est pas du plastique. Noir mat. C'est à la mode, hein. Regardez. Il n'y a pas de chrome sur cette voiture à part les poignées de porte. Très, très peu. Hein, tout est en noir mat. Ça se faisait un peu rallye à l'époque, noir mat. Alors, pour la version rallye, il faut aller voir sur le modèle ZS. Ah, la ZS, la version poussée. Voilà, qui n'a aucun chrome du tout. Aucun. D'accord. Alors dans les versions ZS, il y a eu deux modèles, la 1 et la 2. Et aujourd'hui, la ZS 2, elle est très très recherchée parce que c'est une petite bombinette, comme on dit. Tout à fait. Tout à fait. 90 chevaux, la ZS 2. On fait attention au vélo, s'il vous plaît. Hein. Les vélos. Ouais, entre les voitures. Alors ZS, il y a eu deux séries, une à 72 chevaux et une à 80. Voilà. Et ZS 2, 90. D'accord. Ah ouais. Ça poussait, hein. On oui. Trouvait aujourd'hui. Le prix, ça devient déraisonnable. À mon avis. Déraisonnable. Il y a beaucoup de répliques d'ailleurs de ces voitures-là. C'est assez facile. Donc la voiture, elle est assez simple. Qui c'est qui a eu une 104 dans sa vie ? Non ? Madame ? Non ? Vous êtes trop jeune, c'est pour ça. Personne n'a eu une 104 ? Je dis madame parce que. Ah ! Vous avez eu une 104. C'était des voitures souvent achetées par les femmes. Parce que c'était des petites voitures. Bon, je ne veux pas être méchant, mais c'était plus facile pour se garer. Voilà. Je dis pas qu'elle a les femmes, ça peut se garer. Hein. Je crois que peut-être à l'époque. Bon. Donc c'est changé. Non, je vais peut-être mettre. Je vais pas me fâcher. Moi, je peux. T'en avais une, toi. Une Hélène. Même carrosserie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Avec le moteur bicylindre, Citroën. Voilà. Alors, je m'assois à l'intérieur. C'était bien la même que ça, mais en. Alors, on va ouvrir. Allez, ouvrez. On voit bien l'intérieur. Ma foi, l'intérieur est vraiment propre. Cette voiture est en très bon état. On n'est pas trop. On a quand même un compteur de vitesse, ça c'est le minimum. Hein, j'ai pas. Et on a quoi ? Eh ben, on n'a pas grand chose. Bon, je regarde. On n'a pas grand chose. Une jauge à essence, bien sûr. Et puis c'est tout. On n'a rien d'autre. Alors si, quand même. Un accessoire typique des années 80. Ici, il y a un petit bouton. C'est quoi ? Eh ben, c'est l'ancêtre de l'économètre. Non. Si. Qui s'allume vert ou rouge suivant qu'on appuie ou pas sur l'accélérateur. Ah bon ? Ah, voilà. Il te prévient, c'est l'ancêtre de l'ordinateur. Voilà. Attention, vous avez le pied lourd. Vous avez consommé beaucoup. Ah, je ne connaissais pas ce petit gadget. Ouais, c'est un gadget. On a quand même une lunette arrière dégivrante. Tout à fait. Ah, c'était des options à l'époque, si je me rappelle bien. Alors, toutes les aides ont ça. Par contre, l'essuie-glace arrière, uniquement les ZS. Uniquement les ZS pour l'essuie-glace arrière. C'était, c'est vrai, quand tu avais l'essuie-glace arrière, tu disais, ouais, j'ai un essuie-glace arrière. Voilà. Une boîte 4. Boîte 4, oui. Boîte 4. Il y aura des boîtes 5 après sur les versions plus récentes des 104. Des versions E même, hein, des versions économes, boîte 5. Et les ZS. Et les ZS. Les dernières ZS. L'ouverture de capot, c'est bien là, ici. Oui. Voilà. Tirer la chevillette. Ah, les jantes alliages, je ne sais pas si c'est le. Ce sont des jantes de ZS. De ZS, voilà. Et on va. Oui, joli. Oh, on ne voit pas le moteur. Alors. Attends. Peugeot a quand même réussi à mettre la roue de secours à l'avant, ce qui est pour un gain de place
dans le coffre, hein, vu que le coffre ne va pas être très grand. Et pourquoi on a réussi à mettre la roue sur le moteur, messieurs, dames? Pourquoi on a mis la roue sur le moteur? Eh bien oui, on a couché le moteur. Le moteur est à plat, regardez. Venez voir, regardez le moteur. On voit le côté du bloc. Il est couché. Basculé vers l'arrière. Il est basculé vers l'arrière et la culasse, elle est vers l'habitacle. Ce qui permet de gagner de la place. Hein, parce que si je me rappelle bien, la boîte est en dessous. La boîte, elle est sur le côté. Elle est sur le côté, oui. C'est vrai, je me trompe. C'était les 204, hein, qui est 304, qui avait la boîte. Et donc, on a couché le moteur sur le côté. Lui, il est commune, boîte et... Voilà, et on a gagné la partie la plus haute. Regardez, la partie la plus haute, bien sûr, c'est le carbu, qui est carrément sur le côté. Hein, et le filtre arrière. Sinon, le moteur, il est très très bas. Le centre de gravité, du coup, est amélioré, donc... Une très bonne tenue de route pour l'époque, pour cette voiture. Il fatigue moins comme il est couché. Voilà. Là, il me dit qu'il fatigue moins parce qu'il est couché. Alors la roue, elle est juste posée comme ça, il n'y a pas de fixation. Elle s'emboîte. Elle est juste posée, il y a des petits voilà. Picots en ferraille pour l'empêcher de couper. Voilà. Voilà. La maladie de ces voitures-là, c'était jaune culasse. Hein, jaune culasse, claqué assez souvent. Jaune culasse, surtout les arbres qui se rongent. Ah bon? Carrément. Oui, oui. Bon. C'est assez récurrent sur... Sur les 204 aussi. Mais sur 104, jusqu'à la BX, là, qui était équipée également. La BX, c'est vrai, qui était équipée. Du moteur d'accident, ça c'est... Voilà. Et la R14 aussi, pour la poire. La fameuse poire, la R14, qui est... Ah, on a une ambulance là-bas. J'espère sincèrement que ce n'est pas trop grave pour la gamine. Bon. C'est la première fois qu'on a un accident comme ça. Voilà, on passe à l'arrière, parce qu'il y a un coffre qui est immense sur cette voiture. J'essaie de le faire au plus vite, je parle beaucoup peut-être. Alors on a un poussoir, voilà. Alors on a une... voilà, si on veut installer un essuie-glace, voilà. On peut, c'est prévu. Le coffre très très léger, le petit rayon. Alors, le seuil est assez haut, hein, c'est pour gagner, c'est pour avoir une bonne rigidité, je pense, à l'arrière. Voilà, et le coffre quand même, bon... Bien sûr, il y a de la place quand même. Et la banquette. La banquette est rabattable. La banquette est rabattable. Hein. À l'époque, hein, c'est les premières voitures à avoir des coffres, comme on dit, modulables à l'époque, comme la Renault 5. On rabat la banquette et là, on a de la place. Madame a choisi d'acheter un sèche-linge à l'époque vedette qui lui plaisait bien. Et bien, ça rentrait tout juste dans le coffre. Pour le mettre dedans, oui, mais hein, pour sortir, pas. Ah, pour sortir, il fallait lever. Hein, le seuil était assez haut. Cette voiture, dis-donc, elle est en très bon état. Comment tu l'as trouvée Alors, je l'ai achetée sur eBay. eBay, c'est bien eBay. Quinzaine d'années. En fait, c'était une deuxième main. Et la première main, c'était un pompier qui la possédait. Ah oh bah, je comprends. Ça lui rappelait des souvenirs, il dit, je prends une voiture rouge. Donc c'est une voiture qui a été extrêmement bien entretenue, je pense, assez régulièrement dans la caserne d'ailleurs, ouais. Pour passer les temps morts. Entre deux interventions, voilà. En fait, voilà. Et je m'en suis servi régulièrement pour aller au boulot, donc 18 km aller-retour par jour. Ouais. Et maintenant que je suis à la retraite, eh bien, roule beaucoup moins, évidemment. Ah, beaucoup moins. Mais franchement, dans cet état-là, il n'y en a pas beaucoup dans leur jus. Dans cet état-là, franchement, c'est une voiture qui, comme beaucoup de voitures de son époque, hein, pourrissait facilement. Très fragile par rapport à la corrosion. Et celle-ci, je ne me suis pas penché en dessous, mais... si, elle est très saine. Très très saine. Et bien, c'est pas le cas de la mienne. Hein. Ouais. Bon, voilà, on a déjà deux vérins, regardez, hein, pour soutenir le haillon. Et vraiment, une petite voiture sympa. Comment vous la trouvez, cette petite voiture? C'est sympa. Comment ça vaut une 104 coupée comme ça? Je ne parle pas de version sportive. Ça cote dans les 2000 euros, ouais. Tout cassé. Ouais. Autant la Renault 5, elle commence à grimper, autant la 104, qui est sa contemporaine, a du mal. Je pense que c'est l'avenir, hein, parce qu'on n'en voit plus. C'est vrai. Mais ça reste quand même une populaire qui a été diffusée à beaucoup d'exemplaires. Donc, c'est vrai, c'est pas la région, c'est plus dans l'Est. Hein, la région est plus... Nous, on est plutôt Citroën. Ouais, voilà. Voilà. Allez, on va te laisser repartir parce que j'ai pris beaucoup de retard. J'ai deux voitures en barbe. On peut le remercier, on peut te dire merci à toi, c'est un fidèle de Papa 35, un fan de BMW également. Il y en a pas mal. Et franchement, on peut l'applaudir encore une fois. Bravo à lui.
c'est que 104 couleurs copiées.